Et salut à tous, c'est Henri Lossard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Comment avoir les applications payantes et les jeux vidéo aussi payants du Play Store gratuitement. Donc tout d'abord, nous allons lancer Google suffira, mais moi j'ai un autre navigateur, c'est pas le Brave. Mais voilà, si tu l'utilises totalement comme Google. Regarde, si vous voulez, hop, je le fais avec Google comme ça. Ça vous rassurera peut-être. Voilà. Donc, vous tapez tout simplement Aptoide, comme ça. Et c'est le premier, hein, tout simplement. Vous cliquez dessus. En fait, c'est un logiciel. C'est exactement comme Play Store. Sauf que c'est. Moi, personnellement, je vais télécharger l'application. Parce que c'est un peu plus compliqué directement sur Internet. Donc voilà, tout simple, télécharger. C'est en train de télécharger. Donc vous attendez que le téléchargement se finisse, vous cliquez sur le téléchargement, installer. Ça va un petit peu de temps, mais c'est normal. Allez. Voilà. Donc ouvrir. Donc ça en passe. Donc voilà, en fait, c'est exactement comme Play Store. Donc vous recherchez un jeu. Donc par exemple, on va regarder dans le Play Store un jeu payant. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir ça? Il n'y a pas Premium. C'est le jeu payant, je suppose. Voilà, donc Kids, je disais. Oups, excusez-moi. Donc Kids, je disais, ça fera amplement l'affaire. C'est un jeu, voilà, payant. Donc 2,69 €. Donc on va regarder quand même sur Aptoide s'il y est, parce qu'il y a des jeux qui n'y sont pas. Kids, je crois que ça s'écrit comme ça. Ouais, voilà, il est juste là. Donc, installer. Installer. Voilà, donc faut accepter les sources externes. Installer. Théoriquement, c'est bon. On va quand même regarder si le jeu se lance. Ouvrir. Et donc, pour le moment, ça a l'air d'aller. Barre de chargement. Je connais pas du tout le jeu, par contre, donc on va découvrir. Un peu long quand même à démarrage. Ok. Donc voilà, le jeu se lance. Donc je sais pas si. Ok, il faut que je touche les bonhommes. Voilà, bon, je suis pas là pour jouer le jeu à la base. Donc voilà, donc ce petit tuto est terminé. Savoir comment avoir les applications du Play Store qui sont normalement payantes gratuitement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce tuto et à lâcher votre plus